Bonsoir. J'aimerais remercier les organisateurs pour l'invitation de venir ici et puis merci à vous d'être venu. Excusez-moi de faire la présentation en anglais, mais je peux répondre aux questions à la fin en français ou en anglais, comme vous préférez. But now I need to speak in English to give the presentation. Today, I want to give an overview of the Human Brain Project. Le projet Human Brain. Malheureusement, je ne pourrai pas rentrer dans les détails parce qu'il s'agit d'un projet de grande envergure, mais j'espère que je pourrai quand même vous donner une bonne idée de nos objectifs. Pour commencer, je voudrais lire un poème qui me fait penser aux défis auxquels nous sommes confrontés à cette époque. C'est écrit par une femme qui a fréquentait la même école que moi, mais elle a écrit ça en 1939. Dans cette heure sombre, nous tombe du ciel une pluie de météorites de fête. Et ces fêtes sont là. Ils ne sont pas combinés entre eux, on ne se pose pas de questions, mais on a assez de connaissances pour les tisser entre eux, si ce n'est qu'on n'a pas un métier qui nous permettrait de faire de ces fils un tissu. Et je crois qu'elle a en fait résumé de cette façon le défi auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que nous avons de très nombreuses données, des faits qui sont générés par le cerveau, si ce n'est que nous n'avons pas le métier sur lequel mettre tous ces fils et les tisser pour en faire une connaissance intégrée. C'est d'ailleurs d'autant plus un défi lorsque l'on parle des neurosciences, car les spécialistes des neurosciences étudient différents types de cerveaux. Ils étudient les cerveaux des drosophiles, des mouches, des cerveaux de souris, des cerveaux de rats, des cerveaux de chats, des cerveaux de singes, de primates et d'humains. Mais l'objectif, quel que soit le cerveau, est de comprendre au final le cerveau humain. Comment apprendre de ces différentes espèces animales pour mieux comprendre le cerveau humain? On sait pourquoi on souhaite comprendre le cerveau humain, parce que c'est le cerveau humain qui est à la base de toutes nos capacités, qui fait que nous sommes qui nous sommes. Il nous donne notre personnalité, notre caractère, notre capacité de créer, de découvrir. Il est finalement à l'origine même du tissu de la société. Mais en même temps, le cerveau souffre de très nombreuses maladies. Et ces maladies ont un impact sur qui nous sommes, sur nos familles, sur nos amis et sur la société dans son ensemble. Et cela engendre évidemment un coût important. En outre, la complexité du cerveau est telle qu'il est difficile de définir ces maladies. Parfois, il est même difficile de les comprendre. Il y a tellement de niveaux de complexité que nous n'avons même pas au départ de véritables définitions. Alors, nous n'avons encore moins de façon pour traiter ces maladies de manière fondamentale. Et quand on a quelquefois des traitements qui fonctionnent, ils fonctionnent sur 50% de la population, mais pas sur 100%. Et nous ne savons même pas pourquoi. Les sociétés pharmaceutiques ont tendance maintenant à diminuer les investissements qu'elles font dans le développement des traitements pour la sphère cérébrale, parce que c'est complexe, que ça leur coûte de l'argent, que c'est risqué. Donc nous avons l'obligation de mieux comprendre comment gérer la complexité du cerveau. Comment comprendre les relations entre les différents niveaux d'organisation du cerveau afin de pouvoir un jour avoir la compréhension suffisante pour bien définir les maladies qui affectent le cerveau et pouvoir enfin les traiter. Voilà une illustration d'une parabole du 13e siècle
de Bouddha, c'est la parabole de l'homme aveugle et de l'éléphant. En fait, il y a des moines qui escaladent cet objet et le décrivent morceau par morceau au fur et à mesure qu'ils rencontrent une partie de l'éléphant. Donc, il y en a un qui sent la défense de l'éléphant et dit que c'est un sabre. Un autre sent la queue et dit que c'est une corde. Que la trompe est un python, que les jambes de l'éléphant sont des troncs d'arbres. Mais comme ils n'ont pas communiqué les uns avec les autres, ils sont incapables de savoir qu'en réalité, c'est à un éléphant qu'ils sont confrontés. Eh bien, c'est un peu le problème que nous avons dans les neurosciences. Enfin, j'espère que ça n'est pas aussi grave. Mais c'est une difficulté, le fait que de très grandes quantités de données sont générées par le cerveau à différents niveaux, le niveau subcellulaire, au niveau cellulaire, au niveau tissulaire et à l'échelle du cerveau dans son ensemble, avec différentes techniques expérimentales. Mais qu'est-ce que l'on fait de toutes ces données? Comment est-ce que l'on trouve la logique? Comment est-ce que l'on comprend les principes de fonctionnement et d'organisation du cerveau à partir de très nombreuses informations qui sont fragmentées, qui sont dispersées? Ce qui m'amène au projet Human Brain, cerveau humain. Le projet Human Brain est un projet, une initiative sur 10 ans pour essayer de lancer un effort de collaboration pour comprendre le cerveau humain, afin de permettre de nouveaux progrès dans le domaine des neurosciences, dans la médecine et dans les technologies informatiques. C'est en fait l'un des deux projets qui ont reçu le statut flagship de la Commission européenne. Il a été lancé en 2013 et il se compose d'un groupe de 256 chercheurs, enfin deux groupes de 135, 81 institutions partenaires et 22 pays qui participent en Europe, Amérique et Asie. Le financement est de 1 milliard d'euros sur 10 ans, la moitié venant de la Commission européenne et le reste d'autres sources de pays membres. Le point intéressant et le fait qu'il ait eu le statut FED Flagship, c'est que, en fait, le financement n'a rien à voir avec le domaine de la santé, avec les neurosciences. En fait, le financement vient de sources qui veulent encourager l'innovation technologique afin que l'Europe soit concurrentielle pour le bienfait de toute la société européenne, encourager la technologie avec de nouvelles technologies qui vont pouvoir apporter des bienfaits à la société européenne. Il y a 3 domaines de recherche principaux. Les neurosciences, l'objectif étant d'intégrer toutes les données que nous avons, toute la connaissance, et les intégrer dans des modèles informatiques et des simulations. La médecine, c'est-à-dire contribuer à de nouvelles façons de comprendre, diagnostiquer et traiter les maladies affectant le cerveau. Et enfin, les techniques de calcul informatique futures pour apprendre de la manière dont fonctionne le cerveau, parce que le cerveau humain, pour l'instant, est encore l'ordinateur le plus puissant du monde. Et il faut que l'on apprenne les principes de fonctionnement de ce super ordinateur biologique qui est capable de générer toute notre réalité, celle dans laquelle nous vivons. C'est vraiment absolument essentiel que nous comprenions quelle est la puissance de calcul de notre cerveau. Les objectifs spécifiques sont les suivants: construire une nouvelle infrastructure basée sur l'informatique, sur le réseau, pour les neurosciences, la médecine et le calcul informatique, pour déclencher un effort de collaboration au niveau mondial pour acquérir de meilleures connaissances et compréhensions du cerveau humain et pour émuler ses capacités de calcul, pour permettre aux spécialistes des neurosciences de mettre sur pied des modèles qui nous permettront de comprendre les principes du fonctionnement et de l'organisation du cerveau, du niveau des gènes, en passant par les circuits neuronaux, la cognition et le comportement. Et enfin, au final, en 2023,
L'objectif, c'est d'avoir une infrastructure et un projet de modèle. Une première version de modèle, une sorte de maquette, de squelette de modèle du cerveau humain qui pourrait être utilisé comme un outil permettant aux chercheurs dans le domaine des neurosciences de collaborer entre eux et de mieux comprendre comment les différents éléments du cerveau sont en relation les uns avec les autres. Donc le financement va jusqu'à 2023. Il est normalement prévu que le projet aboutisse en 2023. Voilà le projet qui est donc partagé en différentes divisions. Neurosciences moléculaires, neurosciences cognitives, neurosciences théoriques, neuroinformatique, simulation du cerveau, calcul de haute performance, informatique médicale, calcul neuromorphique et enfin neurorobotique. Il y a une partie du travail qui est consacrée au recueil de données, mais la plus grosse partie du projet est concentrée sur les 6 plateformes que nous voulons construire et que je vais vous décrire. Et ensuite, il y a une partie du travail pour démontrer la valeur et le fonctionnement de ces plateformes grâce à des applications spécifiques. Une partie importante de ce processus consiste déjà à organiser les données de manière stratégique afin que nous puissions mettre sur pied une sorte d'échelle de données vers le cerveau humain. Nous devons donc organiser les données en partant de la souris et d'autres espèces animales jusqu'au cerveau humain pour comprendre à ces différents niveaux, à ces différents échelons où le cerveau de la souris est similaire à celui de l'être humain et où est-ce qu'il est différent. Et quelles données du cerveau de la souris nous pouvons utiliser pour mieux comprendre et prédire les principes d'organisation de notre cerveau humain. Et ce, du niveau du génome jusqu'au niveau du fonctionnement du cerveau humain, la cognition et toutes les fonctions du cerveau humain. J'aimerais souligner un point important. Le projet Human Brain n'est pas un projet dont l'objectif est de générer des données, des informations. Avant tout, il s'agit d'intégrer des informations les unes avec les autres. Vous savez, il y a des multitudes de projets dans le monde entier. Et depuis que notre projet a été annoncé, d'ailleurs, il y en a encore plus. Il y a encore plus d'initiatives de grande dimension pour travailler sur le cerveau et générer des données concernant le cerveau. Or, nous nous concentrons sur la mise au point d'un système qui va nous permettre justement de concentrer, de rassembler toutes ces données sous une forme intégrée afin de mieux comprendre le cerveau. Donc pas seulement recueillir des données, mais les intégrer. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux. Au centre du projet, on trouve ce que l'on appelle des modèles de cerveau pour unifier. On souhaite en fait avoir une nouvelle façon pour présenter et représenter les données, une représentation biophysique détaillée. Et la meilleure façon de procéder, de mettre sur pied et d'entretenir ce modèle, c'est d'intégrer des données de la littérature, donc c'est-à-dire des articles scientifiques déjà publiés, des données de laboratoire, des données de modèles existants déjà, pour construire de nouveaux modèles, des modèles de circuits neuronaux, des organisations du cerveau, et en fait de faire tourner ensuite ces modèles sur des ordinateurs pour comprendre le comportement de ces modèles sur des super ordinateurs de très grande puissance. Ensuite, valider les modèles grâce à une analyse systématique et une visualisation qui se produira à tous les niveaux d'organisation du cerveau. Et l'idée, c'est en permanence de faire une comparaison entre ce que produit le modèle en simulation avec les données biologiques. Et la validation est utilisée comme une façon pour mieux comprendre si nous avons réussi à intégrer les données dans un modèle unificateur ou pas. Alors cela ne peut pas se faire sans utiliser des théories mathématiques afin de développer, d'organiser ces éléments entre eux, les organiser, les faire fonctionner. Il nous faut de la théorie, non seulement pour organiser les données et les intégrer, mais il nous faut aussi de la théorie au niveau le plus élevé, c'est-à-dire des théories sur le fonctionnement global du cerveau. Comment est-ce que le cerveau est capable, au niveau le plus élevé, de produire de la cognition ? Donc il nous faut des théories applicables à tous les niveaux du projet. D'ailleurs, c'est ici même à Paris
que se trouve l'Institut européen des neurosciences théoriques. Il a été fondé à Paris et il a déjà lancé 24 ateliers. Et c'est une partie très importante de notre projet. Et cette partie de notre projet se trouve donc ici à Paris. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, 6 plateformes que nous sommes en train de mettre en place, qui sont toutes des plateformes basées sur l'informatique. Alors, la neuroinformatique, la simulation du cerveau, l'informatique médicale, les calculs à haute performance, le calcul neuromorphique et enfin la neurorobotique. Ce sont toutes des plateformes qui sont conçues depuis le début pour être ouvertes à la communauté tout entière, pour que tout le monde puisse collaborer, toute la communauté scientifique puisse utiliser ces plateformes pour travailler avec différentes équipes de chercheurs dans le monde entier en collaboration, afin justement d'avancer dans l'intégration des données et la compréhension des principes de fonctionnement du cerveau. La plateforme de neuroinformatique, par exemple, est une plateforme qui a été conçue pour que l'on puisse enfin avoir accès aux données là où elles se trouvent dans le monde entier. Il y a des bases de données dans le monde entier et nous voulons les indexer pour, de la même manière, par exemple, que Google vous donne accès à Internet, eh bien, nous voulons avoir accès à ces bases de données dans le monde entier grâce à une indexation. Mais cela dit, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne peut pas être aussi facile qu'avec Google. Il faut savoir exactement comment ces données peuvent être intégrées les unes avec les autres. Il faut donc savoir où elles ont été obtenues dans le cerveau, quel protocole expérimental a été utilisé pour recueillir ces données, tous les détails des données. Et c'est ce que nous donne cette plateforme, les outils qui nous permettent d'organiser ces données grâce aux informations que nous avons sur ces données. Ainsi, les données sont accessibles, on peut les rechercher, les obtenir, et l'on peut utiliser ce que l'on appelle la technique Big Data, c'est-à-dire une technique qui permet d'analyser les données, de faire des prédictions, de faire des modèles. Il y a une autre partie importante de la plateforme de neuroinformatique qui consiste à retracer la provenance des données. Ce qui veut dire que l'on doit garder la traçabilité de l'origine de la donnée. Qui a produit cette donnée? Comment elle a été produite, cette donnée? D'où vient-elle? C'est absolument essentiel parce qu'il faut qu'à tout moment, dans un projet de collaboration au niveau mondial, on doit pouvoir rendre à César ce qui appartient à César. Il faut pouvoir attribuer le mérite à chaque personne qui est à l'origine d'une donnée pour qu'elle soit motivée à trouver encore plus de données. Donc cela veut dire rendre, grâce à ceux qui ont pu trouver des données, les remercier, les récompenser afin qu'ils continuent à travailler. Et peut-être qu'à l'avenir, un article scientifique aura à la limite tout un générique de noms de personnes qui ont participé à l'effort de recherche. Cette plateforme est donc absolument essentielle parce qu'elle permet d'organiser les données et elle nous permet ensuite d'alimenter la plateforme de simulation du fonctionnement cérébral. Ici, vous avez un organigramme de la plateforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous dirai simplement qu'elle est conçue de cette telle manière que chacun peut en fait faire sa propre application. On n'est pas obligé de rentrer dans la totalité de l'infrastructure. On organise les données à plusieurs niveaux avec des atlas anatomiques du cerveau afin que l'on puisse retrouver la localisation anatomique précise, ainsi que grâce à des étiquetages. Ici, vous avez une image d'une des premières données livrables du projet. C'est un atlas anatomique à très, très haute résolution. Ici, on est de l'ordre de 20 microns de résolution pour le cerveau tout entier. Et c'est déjà une base de travail pour organiser, ancrer des données à tous les niveaux du cerveau, le niveau cellulaire, le niveau de l'image, jusqu'au niveau le plus élevé. Et cela nous fournit un outil extrêmement utile, qui est d'ailleurs absolument essentiel si l'on veut mettre sur pied un atlas anatomique commun pour tout le monde. Et puis nous avons une encyclopédie pour tout le monde dans laquelle chacun pourra aller regarder les structures du cerveau, voir quelles sont les données générées à partir de cette région du cerveau. Et nous voulons encourager aussi la recherche sémantique, ce qui veut dire que chacun peut rechercher des données, non seulement rechercher un type d'information, mais aussi toutes les informations similaires ou qui pourraient être combinées, associées à cette donnée, mais ne sont pas directement la même. Nous avons
avons d'ailleurs développé une plateforme pour les publications sur format numérique d'articles scientifiques. Au premier abord, cela ressemble à un article scientifique avec une introduction, un abstract, les méthodes, les résultats. Mais en réalité, ensuite, elle donne des liens avec toutes les méthodes, même les notes du technicien sur la façon dont les données ont été obtenues, et des liens également pour aller télécharger les données elles-mêmes. Et ça, c'est une forme de qualité, de données de très, très haute qualité, de données retravaillées que nous fournissons. Concernant la plateforme sur la neuroinformatique, il y a également cette fonction qui permet d'évaluer la qualité des données. En allant rechercher des détails, par exemple la morphologie des neurones, on peut aller analyser automatiquement tous les neurones qui sont enregistrés dans le système. Et en extrayant les caractéristiques de ces neurones, on va automatiquement évaluer la qualité. Et si on fait une analyse, on voit les différentes catégories et les différentes classes dans lesquelles tombent ces différents neurones, auxquelles appartiennent ces différents neurones. Et l'on peut ainsi comparer par rapport à ce que les experts jusque-là ont estimé être les catégories de ces neurones. Donc non seulement on va générer de la connaissance, mais on va aussi automatiquement analyser les données tout en s'assurant de la qualité de ces données. La plateforme de simulation cérébrale va permettre de donner aux neuroscientifiques de nouveaux outils pour construire des modèles, pour les suivre à tous les niveaux de détail sur les protéines, les neurones, les circuits et sur tout le cerveau en dernière analyse. Ça leur permettra également d'avoir une instrumentation de cette simulation grâce à des électrodes virtuelles, également avec des colorants virtuels. C'est-à-dire, ce sont les outils qu'on utilise en laboratoire, mais de façon virtuelle, puisqu'avec la simulation, on aura accès à tous les détails, à un niveau de détail incroyable, et cela de manière simultanée, ce qui est absolument impossible de réaliser dans un cerveau, dans la vie réelle. Ça va donc donner aux neuroscientifiques de nouveaux outils pour se poser des questions sur le cerveau et pour établir également, voir quelles sont les expérimentations qui sont les plus intéressantes pour tester leurs hypothèses, les hypothèses les plus intéressantes. Et je vais vous présenter l'un des premiers cas d'utilisation, cette simulation cérébrale. C'est le laboratoire d'Henri Mercom qui a passé 15 ans à étudier tous les circuits, à enregistrer tous les neurones du cortex des rats, neurosensorimoteur, et cela sur des rats de 14 jours. Et on a tout étudié, les systèmes d'allumage des neurones, les connexions synaptiques, la forme des neurones, le point de contact entre les neurones eux-mêmes, où sont formées les synapses, l'expression des gènes dans les cellules, comment est-ce que cela est lié au fonctionnement des neurones, à leur déclenchement, les différents types de neurones dans les circuits et leurs connexions. Et grâce à ces données, on est maintenant face à un défi. Comment est-ce qu'on peut procéder? Comment est-ce qu'on peut prendre ces données qui sont issues de laboratoires et les intégrer de manière automatique, si bien qu'on n'a pas trop d'interventions manuelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas de scientifiques qui rentrent dans le laboratoire et qui peuvent changer certains paramètres ou introduire un biais. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer complètement les biais, mais qu'on pourra toujours retomber sur les données et se référer aux données qui ont permis de construire le modèle. Donc ça permet de construire toute une infrastructure de logiciels, de hardware aussi, de matériel informatique pour l'organisation des données, pour l'expérimentation, pour la construction des modèles, pour les simulations, pour l'analyse et pour la visualisation des résultats. Et on le fait de manière itérative, c'est-à-dire on travaille en boucle et on permet aux neuroscientifiques d'avoir une validation constante de leur modèle pour voir comment est-ce que ça recoupe les données biologiques.
Et c'est un outil qui va maintenant être utilisé dans le projet du cerveau humain, Human Brain Project. On a démarré avec les différentes morphologies de neurones. Ça a été le premier pas pour ce circuit neuronal particulier que vous voyez à l'écran. Et vous voyez que on a un chevauchement, une superposition des différents éléments, des différents échantillons de ces neurones. Vous voyez que ici, le bleu, c'est pour les axones. En rouge, on a les dendrites. Et ça donne une idée de la morphologie de chaque type de neurone. Et puis, on a fait un comptage des différents types de neurones dans cette zone du cerveau. On les a colorés, on a fait une imagerie de leur volume et on les a comptés. Neurones. Et puis ensuite, on s'est penché sur le type de neurones excitateurs, inhibiteurs, pour construire un modèle de circuit. On a donc des limites définies, un volume donné, on sait combien il y a de neurones, quelle est leur morphologie, et ça permet de construire un modèle de circuit avec 31 000 neurones modélisés. Et on les représente de manière tridimensionnelle dans l'espace sur la base des statistiques que l'on a retirées de la mesure sur les circuits réels et ce qui nous donne un circuit virtuel. Et quand on rentre à l'intérieur, on voit les axones et les dendrites qui sont des éléments tout à fait essentiels de la communication des neurones commencent à rentrer en contact les uns avec les autres, ce qui veut dire que l'on a potentiellement des synapses, potentiellement une communication entre ces neurones. Mais ce n'est pas tout. On s'est aussi demandé si c'était possible de positionner ces points de contact, ces synapses, correctement entre les cellules. Alors, on a fait une validation, je ne vais pas m'étendre, mais nous avons simulé l'immunohistochimie qu'on utilise en laboratoire. On l'a utilisé sur la modélisation. Et on a vu aussi si ça se recoupait avec l'immunohistochimie in vitro, donc au laboratoire, pour être sûr que ça se recoupait. Alors ici, on a le circuit qui a été construit à partir de cette reconstruction. On a appris comment ça se passe, la réparation. Et là, on n'a que 10% des neurones qui sont dans ce circuit ici. Et on a dû apprendre à prévoir où les synapses, où les connexions doivent se faire, parce qu'on ne peut pas mesurer la position, les coordonnées des synapses dans tout un circuit. Il faut apprendre à les positionner. Et on l'a fait. On s'est aperçu qu'à partir de la morphologie des neurones, on peut prédire des propriétés importantes de leur capacité, par exemple comme le positionnement des synapses sur les neurones. Et puis en introduisant des informations supplémentaires, la densité, par exemple, on s'est aperçu que l'on peut aussi prédire les choses correctement pour beaucoup de connexions, le nombre de synapses, la probabilité de connexion. On a donc maintenant un outil qui nous permet de prédire la connexion dans ce circuit cérébral donné. Évidemment, il faut qu'on voit si ça se reproduit dans d'autres zones, s'il y a des exceptions à la règle. Mais en tout cas, c'est un outil qui permet de trouver une organisation dans les données dont nous disposons. Mais ce n'est pas tout, parce que nous avons aussi essayé de calculer le comportement électrique des neurones. On utilise des modèles mathématiques qui sont bien connus, rien de nouveau ici, mais on a essayé de l'utiliser à grande échelle pour capturer quelque chose qui n'est vraiment pas évident, parce qu'à la surface de chaque neurone, il y a des protéines qui s'appellent les canaux ioniques, des canaux pour les ions, et la façon dont ces canaux s'ouvrent et se ferment
conditionne le comportement électrique de ces neurones. Et là, on a ces canaux qui s'ouvrent et qui se ferment et qui créent un influx électrique dans les neurones. On a utilisé des données sur ces protéines, sur ces canaux ioniques, sur leur comportement. Nous les avons distribués, répartis de manière itérative dans cette matrice tridimensionnelle de neurones pour voir, pour recréer l'activité des neurones. Et on a recréé avec des modèles tous les comportements de décharge de ces neurones qui ont été caractérisés pour ce circuit donné. Et ça, c'est un exemple. Ce n'est pas seulement pour la décharge des neurones, mais aussi la façon dont les signaux électriques sont intégrés dans ces structures un peu arborescentes, là, qui sont des dendrites. Et la couleur, en fait, correspond à la tension. À la tension électrique mesurée dans ces neurones. Et on l'a validé par de nombreuses expériences. Et c'est le modèle le plus complet de ce fonctionnement neuronal. Et on peut avoir des centaines de modèles comme cela grâce à cette nouvelle technique. On s'est aussi penché sur les micro-circuits de ces neurones et la façon dont les synapses modulent la communication entre les cellules. Ce sont ces circuits du cortex. Et d'ailleurs, lorsque on allume en quelque sorte ce circuit, il est silencieux, ce qui est une bonne chose, parce que les données que nous utilisons viennent de préparations sur lame, de coupes donc histologiques qui, évidemment, n'ont pas d'activité, mais on s'est aperçu qu'on pouvait changer la composition chimique et du coup déclencher l'activité du circuit. On l'a fait dans le cadre d'expériences, on a changé les mêmes paramètres dans la simulation et on a commencé à voir ces oscillations basse fréquence émerger dans le circuit. Alors c'est très simple, c'est un comportement très fondamental. Ce n'est pas une stimulation régulière, c'est simplement une oscillation basse fréquence et c'est très similaire, très semblable au type d'oscillation que nous constatons dans nos cerveaux humain lorsqu'on est dans la phase de sommeil profond. On a répliqué ce circuit pour créer une couche virtuelle qui soit proche de l'expérimentation en laboratoire et qui nous permette de faire des expérimentations et de faire aussi des validations successives. Nous avons également conçu de nouveaux outils qui nous permettent de calculer le signal qui va être capté si on implante une électrode dans le cerveau. Et ici, on calcule, à partir de chaque neurone individuel, le potentiel électrique qui est provoqué par chaque cellule individuellement et nous voyons comment ça produit une onde cérébrale, c'est-à-dire c'est le signal qu'on voit sur les électroencéphalogrammes. C'est ça qui permet de suivre l'activité cérébrale quand on est un spécialiste des neurosciences. Mais que se passe-t-il au niveau des synapses, au niveau du comportement des neurones? On ne le sait pas encore. Et ça, c'est un outil qui va nous permettre d'analyser la contribution de toutes ces cellules, neurones, synapses, etc., à ce signal. D'autres expérimentations ont été faites pour stimuler le circuit avec une basse fréquence. Là, rien ne s'est passé, mais à une fréquence plus élevée. Ça, c'est le nombre de neurofibres qui sont dans le circuit. Ça déclenche une activité et ça correspond à ce qu'on voit dans les expériences en laboratoire. Jusqu'alors, on s'est beaucoup concentré sur ce qui se passe in vitro, c'est-à-dire ce sont des tissus isolés dans des boîtes de pétri, sur des lames de verre qu'on met sous les microscopes. Mais on a d'autres choses. Il y a aussi des neuromodulateurs, des neurotransmetteurs. Et on s'est penché sur certains de leurs effets
par exemple les modifications du taux de calcium, de potassium affectés par les neuromodulateurs. Et on s'est aperçu que le comportement des circuits évolue. Chaque petit carré correspond au comportement d'un circuit sur quelques secondes d'activité. Et ça, c'est le petit carré que je vous ai montré, en fait, qui correspond aux oscillations que je vous ai présentées là tout de suite. Et on s'est aperçu qu'on peut faire déplacer le circuit et le faire évoluer à travers différents états en simulant la neuromodulation. Alors, c'est qu'une petite fenêtre sur ce que fait le cerveau humain, mais ça nous donne une idée de, par exemple, les convulsions, le sommeil ou des comportements qui, dans le cerveau, correspondent à l'éveil. Et on l'a validé, là encore, en comparant avec des données d'expérimentation, et on voit la même chose, les mêmes différences en termes d'activité. Ça, c'est la simulation en haut, comparée à l'expérimentation dans la vie réelle. Et on utilise maintenant ces principes pour essayer de comprendre comment le calcul, le traitement des informations se fait dans ce circuit cérébral et comment ça change en fonction des neuromodulateurs qui vont venir irriguer ce circuit. Alors, en haut, on voit qu'on a ce voyage de l'onde et on a en bas la simulation et ça donne une idée de ce qui se passe dans le circuit et de la façon dont le calcul se fait. Et tout cela, c'est disponible via le portail en ligne qui sera disponible bientôt. On pourra aller sur ce site internet, poser des questions au modèle, regarder les différents types de cellules, de connexions entre elles, et aussi avoir accès aux données elles-mêmes, et cela de manière directe. Mais on travaille déjà au prochain niveau d'intégration des différentes données. Voilà ici certains exemples de données qui sont produites ailleurs par l'Institut Allen à Seattle. Et ici, on prend des jeux de données qui correspondent à la totalité du cerveau pour construire des modèles cérébraux directement à partir des données. Alors, ce n'est que le début, mais on utilise certaines techniques d'imagerie cérébrale pour générer des modules qui sont peuplés par les différents neurones sur les différents endroits. On a donc un positionnement des cellules avec la densité, pardon, et à gauche, on a le modèle par rapport aux données originelles. On voit que c'est très semblable. Mais on a aussi utilisé d'autres données, par exemple sur l'expression des gènes, pour identifier les sous-types spécifiques de cellules dans tout le cerveau en intégrant toutes ces données pour affiner encore le modèle, en introduisant aussi la connectivité. Alors tout ça, c'est encore assez grossier. Hein, ce n'est qu'une première étape, mais ça nous donne déjà une petite idée pour savoir comment toutes ces pièces du puzzle, elles interagissent et elles forment la structure du cerveau. Alors évidemment, il va falloir intégrer encore plus de détails pour que ce soit fidèle. Mais c'est vraiment, on a là en place l'infrastructure qui nous permettra de le faire. On travaille aussi avec un groupe de Wuhan en Chine qui nous a fourni des données vraiment fantastiques. Voilà ici un jeu de données issues du rat et qui montre la morphologie des neurones pour chaque partie du cerveau. Et on peut même descendre. On peut même descendre grâce à cette imagerie et on a des sous-types de différents neurones et on peut zoomer encore plus et on s'aperçoit ici avec une très haute résolution, hein, on peut voir même chaque neurone individuel et leur forme. Et ce sont des données qui, en volume, correspondent à 0,3 par 1 micron. Donc, c'est vraiment minuscule. Et on peut même extraire un volume de ce cerveau et
retracer automatiquement les neurones à partir de cela pour reconstruire un échantillon de ces cellules individuelles. Ça nous donne évidemment quelque chose qui nous permet d'avoir des informations à grande échelle sur la structure des neurones. So this is where things are headed. Donc voilà un petit peu vers quoi nous nous dirigeons. Mais on aura aussi tout ce qui est le glia, les cellules gliales, la vascularisation, etc. Alors évidemment, pour intégrer toutes ces données, il faut des plateformes d'ordinateurs haute performance. Et c'est ce qu'on a. On a vraiment des super ordinateurs, dont l'une des capacités clés, puisque ces ordinateurs, quand ils deviennent de plus en plus gros, c'est plus possible de collecter toutes les données sur un disque dur. C'est plus possible, il y en a tellement. Donc il faut visualiser les données en ligne et les analyser en ligne. Au fur et à mesure que la simulation se déroule. Donc ça, c'est un des défis de ce projet. Voilà la feuille de route pour la plateforme de super ordinateurs. On a commencé avec des super ordinateurs qui pouvaient simuler une seule colonne, comme je vous l'ai montré auparavant. Et puis, on a ajouté un autre pour simuler une tranche, une couche du cerveau. Et puis, on a maintenant un super ordinateur qui peut simuler au niveau cellulaire un cerveau de souris. Mais il faudra 1000 fois cette puissance informatique pour faire une simulation du cerveau humain avec le même niveau de détail. C'est déjà prévu. Et normalement, ça devrait être prêt d'ici 2019. On a demandé aux fabricants d'ordinateurs de nous fournir ce genre d'équipement qui nous donnera évidemment une compréhension incroyable du cerveau. L'informatique médicale, c'est l'un des autres volets de notre projet. L'objectif ici, c'est d'utiliser toutes les données qui sont déjà recueillies dans les hôpitaux, les cliniques de par le monde pour piloter une définition des différentes pathologies, des données, à partir des données. Pour l'instant, le diagnostic médical, il repose sur les symptômes de la maladie. Nous, on veut utiliser les mesures physiologiques, les images du cerveau, les taux de protéines, les analyses de sang, pour mieux définir toutes ces pathologies, toutes ces maladies. Alors, la façon de faire, c'est d'avoir un système, une infrastructure qui permette de se servir de ces données cliniques, mais évidemment de manière à garantir la protection des données, donc de faire une réplique des jeux de données clés pour l'identification des maladies, mais qui ne permettent pas d'identifier les patients et qui, évidemment, n'entravera pas le secret médical. Et puis, de permettre des requêtes de l'extérieur, mais seulement au niveau de l'agrégation des données, par exemple, pour voir quelle est une pathologie donnée à partir d'un groupe de données de patients et de leurs données. Par exemple, des patients Alzheimer, quelles sont les données physiologiques qui correspondent à ces patients. On pourra se servir de ces données-là et on l'a fait. On s'est aperçu que chez les patients souffrant d'Alzheimer, il y a en fait 9 classes différentes de patients que l'on peut définir par des modifications de la taille du cerveau et par d'autres marqueurs biologiques spécifiques. C'est donc un travail qui est en cours et qui va nous permettre d'identifier des cibles potentielles pour le traitement, parce qu'on aura défini les caractéristiques clés de la pathologie. La plateforme informatique neuromorphique va nous permettre de fabriquer des puces informatiques qui permettront d'avoir une simulation simplifiée des fonctionnements cérébraux, et cela à une vitesse bien supérieure à ce que font les ordinateurs, mais évidemment il faut les simplifier par rapport à ce qu'on fait dans les super ordinateurs et qui nous permettent aussi d'utiliser moins d'énergie. Donc, c'est, en fait, il s'agit d'avoir un matériel, un équipement qui consomme moins d'énergie et qui nous permette de faire cette simulation.
Enfin, pour terminer, la plateforme de neurorobotique qui est conçue et construite comme un monde virtuel à part, avec un environnement virtuel afin de venir s'associer à la simulation. C'est très important parce que si l'on veut comprendre le fonctionnement du cerveau, il faut aussi avoir des stimulations sensorielles, motrices, des informations, comme si le cerveau agissait dans un monde, dans un environnement qui lui envoie des stimuli. Je crois qu'il va falloir que j'avance une diapositive manuellement. Ici, vous avez un exemple du travail initial, une souris virtuelle avec un squelette virtuel, des muscles virtuels, et qui permet d'associer une représentation physique d'un organisme avec une population neuronale. Ici, à droite, vous avez une neuropopulation simplifiée. À gauche, le corps de la souris et ses moustaches. Et lorsque l'on touche les moustaches de la souris, on voit en fait quelle est la région du cerveau qui est stimulée. Alors, c'est très préliminaire, c'est très basique, mais c'est un exemple des outils qui vont nous permettre d'associer des organismes virtuels avec une simulation du fonctionnement du cerveau. Voilà l'approche dans son ensemble, c'est-à-dire développer et construire des outils qui permettront une collaboration mondiale de spécialistes des neurosciences dans le monde entier à partir des principes qui permettent de passer de chaque niveau d'organisation au suivant à l'intérieur du cerveau. J'essaye d'avancer ma diapositive. Certaines des applications peuvent être utilisées de manière collaborative pour commencer à comprendre les principes de la cognition, de la perception, de la mémoire. En mettant un organisme virtuel dans un environnement virtuel avec un cerveau simulé, on va pouvoir retrouver tout le processus. À partir de la perception, en faisant le tour du circuit, on voit tous les éléments qui créent le processus. Et lorsqu'un souvenir est stocké, on voit toute l'activité du circuit qui sont à la base du souvenir, de la génération du souvenir. Et on peut utiliser ceci également pour identifier de nouvelles cibles pour les traitements médicamenteux. Bien évidemment, ça ne va pas remplacer les études cliniques et l'expérience en laboratoire, mais cela permet quand même de savoir où vont se produire les effets secondaires et quelles sont les cibles potentielles des nouveaux traitements. Et puis quelques autres applications pour le développement de nouveaux contrôleurs neuromorphiques en utilisant des principes qui sont proches de ceux du cerveau pour mieux comprendre et mieux contrôler différents outils dans l'industrie ou bien des outils utilisés par la population en général dans la grande consommation. Vous avez quelques exemples ici d'outils qui seraient très populaires. Maintenant, quelque chose de très important. Nous avons prévu depuis le début que simuler les capacités du cerveau est un domaine qui, bien évidemment, peut être très sensible. C'est quelque chose qui est important pour la société. Il faut que l'on comprenne bien ce que l'on est en train de faire, quelles peuvent être les éventuelles difficultés ou défis et quelles peuvent être les inquiétudes. Il faut être sûr que la société nous suit, qu'elle comprend ce qu'on est en train de faire, qu'elle peut poser des questions afin que l'on puisse également leur expliquer clairement, expliquer à tout le monde ce que l'on va faire avec cette technologie. Donc l'éthique, l'aspect éthique et le respect pour la société sont une part importante de notre projet. De la même manière, l'éducation joue un rôle absolument essentiel. Il va falloir que nous disséminions les informations, que nous soyons présents dans les écoles, dans les expositions, dans les musées, que nous parlions du résultat de ce projet, de ce que nous sommes en train de faire, de ce que ce projet va permettre d'obtenir. Être sûr que toutes les données qui vont être produites seront accessibles à tout le monde. Et c'est un projet tellement énorme, avec tellement de groupes à coordonner, qu'il y a une partie gouvernance qui sera également absolument essentielle, mais très complexe. C'est un vrai défi. C'est quelque chose sur quoi nous travaillons de manière continue pour essayer d'obtenir des améliorations. Et enfin, je voudrais conclure en soulignant un dernier point.
Il s'agit encore une fois du travail collaboratif de centaines de scientifiques et chercheurs. Je vous encourage à vous connecter sur notre site Internet pour voir justement le nom de toutes les organisations et de tous les gens qui participent à ce projet. Voilà donc l'adresse de notre site web. Et si vous avez des questions, je serai très heureux de répondre à toutes vos questions et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur. On va passer aux questions. Je peux répondre aux questions en français aussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez bon espoir de trouver le fameux code neuronal dont parle Stanislas Dehaene ? Pardon, j'ai pas... Vous avez bon espoir de trouver le fameux code neuronal dont parle Stanislas Dehaene ? Ça sera un outil pour tous les neuroscientifiques de le trouver. Ce n'est pas nous, tout seul. Mais en principe, l'idée, c'est que ça doit être un outil pour tester les hypothèses. Ça doit être un outil pour le trouver. Et sinon, je suppose que ça doit être assez fascinant de voir les synchronisations des oscillateurs, le rôle du chaos dans le... Tout à fait. Du bruit dans le... Tout à fait. Il y a plusieurs niveaux de complexité pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Et puis, certainement, le chaos, la complexité là, c'est bien impliqué. Oui, bonjour. J'ai deux questions. La première, c'est une fois que qu'on aura trouvé un modèle du cerveau qui serait intéressant, on va dire, assez compliqué, est-ce que cette structure de modèle pourrait être utilisée pour résoudre des problèmes ? Je pense à des choses apparentées à l'intelligence artificielle. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des liens avec Google et les travaux de Google sur des cerveaux artificiels ? Qui sont plus liés à des techniques de réseau de neurones, des choses comme ça. Des bonnes questions. Donc, certainement, si on apprend avec ce modèle les processus de cognition, de perception, certainement, ça va nous apprendre comment construire des choses plus simples qui suivent les principes et qui vont nous aider à créer l'intelligence artificielle. On travaille un petit peu avec Google et les autres pour certains aspects de gestion des données et des choses, mais on ne travaille pas sur l'aspect d'intelligence artificielle pour la deuxième partie. Monsieur là. Oui, bonsoir. C'est un projet très, très, très ambitieux. J'ai pas bien compris, vous étiez financé. Qui finance ce projet, d'une part ? Bon, je suppose qu'en 10 ans, vous allez trouver un tas de... Vu l'évolution de la technologie, l'évolution des ordinateurs, etc. Donc ça va vous permettre de faire un tas de découvertes qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Qui en bénéficiera ? C'est-à-dire qui finance, qui en bénéficiera, et est-ce que les industriels sont partie prenante ? Est-ce que vous allez déposer des brevets pour protéger ces découvertes, ou ce sera, disons, en open source, quoi, si en employant le terme à la mode. Voilà. C'est une très bonne question. Donc, c'est la Commission européenne qui nous finance pour le 50% du projet. Et puis, le reste, ça vient des États membres de l'Union européenne. Mais l'idée, c'est pour la plupart des choses, ça sera donné librement, ça sera open source. Mais on va aussi probablement créer la propriété intellectuelle pour faire continuer le projet.
C'est l'idée que ça peut être un outil, ça peut être un grand outil pour la science, mais il faut que si on donne une certaine capacité aux industries, il faut que ça soit un service où on peut peut-être avoir un service payé. Mais on verra, on ne sait pas encore le modèle, mais l'idée c'est qu'on devrait trouver un moyen de continuer la recherche après 10 ans. Donc il faut trouver exactement la méthode. Mais le principe fondamental et général, c'est les outils, les données, tout ça sera open source, comme vous disiez. Oui, une autre chose, excusez-moi, mais vous avez cité le nom de Google tout à l'heure. Donc, il y a ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui ont une masse financière incroyable et qui sont en train de racheter toutes les petites sociétés qui travaillent sur des sujets comme ça, sur l'intelligence artificielle, sur les robots, etc., etc. Donc, c'est un peu en concurrence, quoi, je veux dire. Comment vous vous situez? Moi, je crains beaucoup de ces gens-là parce que eux, c'est l'argent qui les motive. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Donc, on n'a pas trouvé qu'il y a une compagnie, il n'y a personne qui veut vraiment investir dans la recherche comme on fait. Donc, c'était vraiment... C'est quelque chose, même les pharmaceutiques, ils ne veulent pas faire cet investissement. Donc, on craint pas qu'Apple va venir nous acheter. Ce n'est pas possible, effectivement. C'est une organisation, c'est une collaboration entre les instituts académiques et c'est financé par l'Union européenne. Donc, c'est pas possible de l'acheter. on ne craint pas ça. Vous avez dit votre projet, le budget serait de 1 billion pendant 10 ans. Vous venez de dire à l'instant que le financement, c'est surtout de l'argent public qui vient from the taxpayer. On est d'accord. Hein? Bon. Ce qui m'inquiète, c'est que sur une période de 10 ans, c'est très long, 10 ans, est-ce que, parce qu'il y a plein de projets qui ont été faits par les gouvernements de toutes sortes, au début, on a dit, bon, voilà, avec 1 billion, allez, on fait tout le truc. Et puis, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure que ça avance, ça coûte de plus en plus cher, de plus en plus cher, de plus en plus cher. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Parce que vous ne pouvez pas arrêter au milieu. Vous pouvez dire, ah ben non, maintenant ça coûte trop cher, tant pis, on arrête. Ce serait idiot, ce serait to waste the entire thing. Et est-ce que vous n'êtes pas un petit peu concerné par cet aspect des choses, que ça peut nous emmener dans les dépenses faramineuses sans qu'il y ait des retours qui soient palpables? On sait déjà qu'on n'aura pas plus d'argent. Donc, il faut vraiment qu'on fait les budgets avec ce montant. Ça ne sera pas augmenté. On sait déjà. Ça, c'était pour nous. Et puis, bon, si on a besoin de quelque chose de plus, il faut le trouver ailleurs. Il faut le trouver avec des partenaires ou des autres sources de fonds. Mais je crois qu'on sait bien qu'on est contraint par le budget qu'on a. On va faire le progrès qu'on puisse faire dans les contraintes du budget. Je ne vois pas que ça va devenir... Je ne vois pas comment on peut demander plus et puis recevoir plus. Enfin, si pour faire aboutir le projet, il faut encore amener de la finance, ce qui serait normal. Prenez un laboratoire un laboratoire scientifique. Eh bien, il va avoir une idée de ce qu'ils vont dépenser, mais au fur et à mesure qu'ils font des recherches, ça peut coûter plus cher et ils veulent aboutir à quelque chose, à un résultat. Je pense qu'avec vous, ce sera la même chose. Et je crois que... Vous n'allez pas dire, bon, allez, maintenant, les 2 millions sont dépensés, c'est fini, voilà. Goodbye. Voilà.
Mais bon, je ne sais pas exactement quoi dire. On ne voit pas un élargissement du projet à ce niveau-là. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir au début de votre présentation. Vous aviez dit qu'il n'y avait pas que des membres de l'Union européenne qui participaient à ce projet, notamment les États-Unis. Je crois qu'il y a un projet sur le cerveau là-bas. En quoi est-ce que c'est différent de celui que vous nous présentez ici ? C'est une très bonne question, en fait, parce qu'on travaille aux États-Unis avec le Allen Institute, qui sont financés par Paul Allen de Microsoft. Eux, ils ne reçoivent rien du tout de nos fonds, des fonds européens. Et puis, il y a aussi un projet Obama Brain Initiative aux États-Unis. Mais là, le but, c'est de créer des technologies pour générer les données du cerveau. Et puis, notre but à nous, c'est de intégrer les données pour créer des modélisations pour mieux comprendre le cerveau. Donc ça, on trouve que c'est parfaitement complémentaire, parce que nous, on ne veut pas générer les données. C'est plutôt le reste du monde, en fait, avec les États-Unis compris, qui vont générer les données. Et puis nous, pour les intégrer. Mais vous n'allez pas bénéficier de leur technologie, parce que je crois Mais leurs résultats, je crois qu'ils sont pas ils sont en cours. Donc, on va bénéficier au niveau des données générées, parce qu'ils essaient de créer des nouvelles technologies pour enregistrer les activités des milliards de neurones et des choses comme ça. Et puis, s'ils réussissent à faire ça, on aura des données incroyables, absolument formidables. Absolument. Ça, c'est l'idée. On est en train toujours de discuter avec eux pour développer les principes de partager les données. Absolument. Ils sont d'accord pour l'instant. Donc, il n'y a pas de concurrence entre les pays. On ne va pas assister à une géopolitique du cerveau. En fait, ce qu'on essaie de créer, c'est vraiment des principes fondamentaux pour collaboration sur le cerveau mondial, sur la scène mondiale. Parce qu'on trouve que, on sait, ça ne sera pas qu'un laboratoire, un projet qui va comprendre le cerveau. C'est tout le monde travaillant ensemble qui comprendra le cerveau. Ça, c'est clair. Et puis, tout le monde, pour l'instant, tout le monde est d'accord, même en Chine. On parle avec eux et puis ils sont vraiment d'accord pour collaborer mieux que concurrence. Voilà, merci. Donc, c'est pour la première fois que ça se fasse comme ça ? C'est-à-dire, il n'y a pas de concurrence ? Moi, je dirais, pour l'instant, on est vraiment content qu'il y a cet esprit et c'est fort. C'est vraiment, il n'y a pas de question sur le cerveau. Bizarre. Pardon. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu comme le CERN, disait le monsieur. Oui. Bonsoir. Vous avez évoqué les différents niveaux de complexité. Je suis là. Merci. Donc, et notamment, vous avez effleuré celui de l'acquisition des données, c'est-à-dire non pas du cerveau isolé dans son squelette, hein, dans sa boîte crânienne, mais de tout ce qui l'entoure. Est-ce que vous avez été jusqu'à prendre en compte chaque poil qui pousse, chaque cellule rétinienne, chaque vibration sonore, les cellules olfactives, gustatives, sans compter tout ce qui, dans nos viscères, dialogue directement, sans doute par un... ça me paraît être d'une complexité phénoménale qui est un degré largement en deçà de ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Notre but, c'est plutôt de donner les outils pour comprendre les principes. Et d'accord. Puis, peut-être pour une partie, on aura un grand détail, mais tout le corps, dans toute la complexité, ce n'est pas dans notre... Oui, c'est pas dans le c'est projet. Ce n'est pas prévu pour notre d'accord. Projet. Et vous pensez que les supercomputers tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire gravés
On grave, commence à graver à 22 nanomètres dans, pour les meilleurs. On arrive à une asymptote. Vous pensez qu'on sera capable de faire tourner ces modèles? Absolument. On a fait les calculs exactement pour la mémoire, le band passant et tout ça. On sait que ça sera possible. Puis on travaille aussi avec les constructeurs des superordinateurs pour que ça soit désigné et capable de faire des simulations pareilles. D'accord, donc on ne sera pas dépassé par la technologie, enfin par un besoin technologique sur lequel on va se casser les dents. En fait, ça fait partie de la motivation aussi. La technologie sera là. Et si on ne l'utilise pas, on manque des possibilités. D'accord. Oui, j'ai une question de base. Vous parlez bien sûr d'un principe complet dans le monde, donc, puisqu'il y a même les Chinois qui collaborent, sur la collection de données d'information partant de cerveaux qui sont créés. Donc. Est-ce que vous avez des équipes qui travaillent dans l'autre sens, c'est-à-dire dans un liquide ou dans un tissu spécial où ils commencent à avoir des neurones, d'envoyer des informations, c'est-à-dire des choses soit des images, soit des sons, soit, vous voyez, pour voir comment est-ce qu'il y a la possibilité que les neurones se créent d'une certaine façon et évoluent. Donc voilà, donc je parlais de up-down ou down-up. Il y a certainement des laboratoires qui font des études là-dessus, mais dans notre équipe, non, pas pour l'instant. Mais ça peut être un projet partenaire. Très bien, merci. Bonsoir. Alors, moi, ça me pose juste un petit problème. C'est pas forcément la création du modèle qui peut être créé. C'est, est-ce qu'on va pas finir par obtenir un modèle qui soit d'une complexité tellement grande qu'on s'approche du cerveau? Et donc, du coup, il va falloir un modèle pour étudier le modèle. Et à un moment donné, il y a une limite. Est-ce qu'on va être capable d'étudier le modèle qu'on est en train de faire? C'est une bonne question. En fait, ce qui est très important avec un modèle pareil et puis la simulation, c'est qu'on a l'accès à toutes les variables. Donc, et puis, on a construit aussi les logiciels, les softwares, les moyens d'analyser les données pour le simplifier, pour trouver quelles sont les parties essentielles. Donc, on a des projets, par exemple, on crée des modèles dans toute la complexité de chaque neurone, mais partie du projet, c'est de trouver combien de toute cette complexité est-ce qu'on a besoin. Et pour trouver, est-ce qu'on peut produire un modèle simplifié qui retienne toutes les caractéristiques pour mieux comprendre les principes. Donc ça, c'est fondamental, ça, c'est la théorie qui est bien impliquée dans le projet. Il y a l'Institut ici à Paris qui est dédié à trouver les principes de simplification aussi. Ça fait partie du projet. Mais en fait, si une structure, on arrive à simplifier une fonction associée à une structure, est-ce qu'en simplifiant, on ne va pas perdre la petite chose nécessaire au lien entre deux structures, entre deux fonctions? On ne sait pas vraiment si cette simplification ne va pas anéantir complètement le processus cognitif. Ça, c'est exactement pourquoi on a les niveaux de détails différents, pour voir qu'est-ce qu'il faut pour reproduire dans tous ces détails le fonctionnement, et puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment de faire reproduire certaines fonctions. Donc c'est pour ça, on ne sait pas, depuis le début, on ne sait pas comment simplifier. On ne sait pas ce qui est vraiment nécessaire depuis le début pour le modèle le plus simple. Donc on a besoin de mettre ensemble les données et puis trouver avec les analyses et les simulations c'est quoi le nécessaire pour un certain fonctionnement? Et peut-être tous les détails, c'est nécessaire pour toute la complexité du cerveau. Si tout est nécessaire, on va finir par... Mais on peut trouver, on peut limiter et trouver ces détails-là sont nécessaires pour ce comportement. C'est une méthode de gestionner la complexité. On a des outils pour faire les analyses. On a accès à toutes les données pour faire les simplifications.
C'est ça ce qui est vraiment important, c'est fondamental pour ce projet, c'est d'avoir les outils pour trouver les principes et les niveaux de simplification possibles. Alors, j'aurais trois petites questions. Une première, est-ce que vous allez développer des outils de visualisation? Alors, vous avez parlé de l'Atlas qui permet apparemment de visualiser très petit dans le cerveau. Est-ce qu'il y a d'autres, outils de visualisation du cerveau ou des pensées ou des, enfin, ouais. Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, toutes les visualisations que vous avez vues sont créés depuis nos outils de visualisation qui sont nouveaux. On les a créés que pour ce projet. Donc, tout ce que vous avez vu après le cerveau au début sont des vraies simulations, des vrais modèles, sont produits avec nos logiciels. Et puis, en plus, on crée des services qu'on va donner dans l'open source pour partager les grands volumes des données, comme le cerveau de la Chine que je vous ai montré. On a créé des moyens pour les partager par des sites web, par exemple, et les naviguer interactivement. Et ça sera donné aussi. Vous avez trouvé de nouvelles manières de lire, en quelque sorte, le cerveau, comme à une époque on a pu faire l'IRM ou je ne sais pas. Je n'ai pas tout compris exactement. Des nouvelles manières de lire le cerveau, comme à un moment on a fait les IRM, alors je ne pourrais pas vous le traduire en anglais, malheureusement, mais c'est ou le scanner. Ah, d'accord. Ça fait partie aussi de notre projet où je vous ai montré comment interpréter les signaux électriques. Donc, ça nous donne des moyens d'interpréter les signaux pour mieux comprendre le lien entre ce qu'on voit depuis la surface du cerveau, le EEG, et puis l'activité à l'interne. Et puis, on va continuer ça pour mieux interpréter les IRM, par exemple. Et je voulais savoir, vous avez parlé un moment aussi à toute fin sur la nécessité d'avoir un corps pour les modélisations, enfin pour les tests ensuite. Et qu'en est-il dans la phase de représentation du cerveau, puisque le corps quand même interagit avec le cerveau, en tout cas communique. Est-ce que vous prenez ça en compte ou est-ce que... Pour l'instant, non. On aura besoin, certainement, éventuellement. Et puis, ça peut être un projet partenaire parfait. Quelqu'un qui aimerait simuler ça et les interactions spécifiques avec le corps. Je crois que ça, c'est quelque chose vraiment intéressant, nécessaire. Pour l'instant, on n'a pas travaillé là-dessous. Juste une petite dernière. Dans quelle mesure, enfin, ça va être un peu compliqué, dans quelle mesure l'intelligence humaine, enfin, la culture, le langage complexifie la lecture du cerveau? Parce que vous utilisez le rat et l'humain. Je pense que l'humain, du fait qu'il y a toute une évolution qui a été faite, ça a quand même complexifié énormément le cerveau. Est-ce que ce n'est pas quasiment une tâche impossible, enfin? En fait, non, c'est une très bonne question. En fait, on a et on aura des projets qui commence avec les modèles de haut niveau de comment fonctionne le reading, la lecture, et puis la compréhension, tout ça, et puis en utilisant aussi les données d'un niveau plus bas, l'interaction des deux, on peut mieux comprendre, mais il nous faut plus de données que depuis le souris, le rat et les êtres humains. Donc, on aura besoin des comment on dit, non-human primates, des primates non humains. Il y a heureusement des données qui sont générées par d'autres projets. Par exemple, au Japon, commence un grand projet pour étudier le cerveau d'un marmoset. Et puis, ça va donner aussi beaucoup de données utiles pour faire le lien entre le rodent et puis le primate. Merci. Merci.
Bonsoir. Tout à l'heure, justement, il y a une question qui vous a été posée. Parce que vous, un peu votre idée, c'est de simplifier le cerveau au maximum pour arriver finalement à le simuler. Est-ce que vous travaillez dans ce but-là avec soit des physiciens, mais des physiciens purs ou des mathématiciens purs? Puisque peut-être que justement aussi une des avancées de vos recherches va être de comprendre qu'on peut se limiter justement à certaines parties du fonctionnement du cerveau, à certains éléments importants. Et à ce moment-là, ça peut peut-être aussi amener à travailler sur de nouveaux outils mathématiques ou de nouveaux outils physiques. Je pense notamment à la physique statistique, où le but finalement, c'est de mimer le comportement de milliards d'objets, de milliards d'objets microscopiques, pour avoir finalement le comportement d'un seul objet macroscopique. Et dans, justement, est-ce que vous travaillez dans ce projet avec des physiciens ou des mathématiciens? Voilà. La réponse est oui, absolument, c'est nécessaire, mais la difficulté, c'est que pour savoir qu'est-ce qu'on peut réduire, c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on peut éliminer, quelles sont les simplifications qu'on puisse faire raisonnablement. Il faut mettre en place les données et puis travailler bien avec les physiciens, les mathématiciens, comme dans l'Institut de théorie ici à Paris, que je vous ai expliqué auparavant. Donc ça, c'est absolument, ça c'est une partie essentielle du projet. Il y a des très bonnes questions, je trouve. Y a-t-il encore de très bonnes questions? Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, on vous a posé une question quant à l'accès des données. Donc, en ce moment, à part le site officiel du Human Brain Project qui rassemble les différentes communautés scientifiques et les participants, les pays et les laboratoires, on n'a pas encore d'interface qui nous permette de voir des simulations électroniques neuronales ou d'autres simulations de ce genre. Donc, depuis que le projet est lancé il y a un an, un petit peu plus qu'un an, on est en train de créer les plateformes pour les mettre dans le public dans le mois 30. Donc, ça veut dire dans 18 mois, on aura quelque chose pour accéder et pour voir. Même avant, on aura des choses avant, mais pas la plateforme complète. Et puis, même quand c'est mois 30, ça ne sera pas toutes les fonctionnalités tout de suite, mais c'est pour la public vers le 30e. D'accord, merci. Encore une petite question. On parle de copier le cerveau sur un disque dur. Est-ce que les transhumanismes, c'est absolument leur objectif? Enfin, c'est, vous pouvez sourire, mais malheureusement, il y en a qui travaillent sur le sujet. Et bon, je voulais savoir ce que vous en pensiez et savoir si depuis, vous avez dit tout à l'heure que ça faisait un peu plus d'un an que vous travaillez sur le sujet, vous aviez fait des découvertes significatives depuis un an. Donc, encore des bonnes questions. Donc, moi, je reçois, pas chaque jour, mais presque des questions là-dessus, sur la capacité, la possibilité d'enregistrer un cerveau, faire le upload du cerveau dans le cloud et tout ça. Et puis, je ne peux pas dire que ça sera jamais possible, mais on est très, très loin. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il faut enregistrer. On ne sait pas encore comment mesurer tous les détails dans un cerveau vivant. Donc, on est trop loin de comprendre ce problème, même juste pour le définir, en fait. C'est une idée. C'est une idée peut-être intéressante, ça dépend. Mais on est très loin. Très, très loin. Et puis, la deuxième question, c'était, est-ce qu'on a fait des découvertes déjà?
On a déjà trouvé, par exemple, certains principes pour savoir, avant qu'on enregistrait les signaux depuis des électrodes, on pensait que ça, c'était une réflexion pour la plupart des activités des synapses, donc les communications entre cellules. Mais on a appris que ça, c'est bien possible que c'est des autres propriétés, des neurones même. Donc on a trouvé, merci. Donc on a trouvé un autre moyen, en fait, des perspectives pour interpréter les signaux comme ça. Et puis il y a plusieurs aspects. On a généré des atlas, des cerveaux à une résolution plus haute que c'était jamais créé. Et puis il y a plusieurs certainement. Je n'ai pas un résumé maintenant, mais il y a plusieurs choses, même dans la première année, qui étaient des avances. Voilà. Volontiers. Je disais qu'il fallait faire une conférence chaque année pour nous mettre au courant. Voilà. Vous avez évoqué la réalité virtuelle tout à l'heure. Est-ce que vous savez si Jaron Lanier s'est intéressé à votre projet? Je ne lui ai pas parlé, donc je ne sais pas. C'est bien possible. Je sais que je ne sais pas s'il travaille dans le virtual reality toujours. Certainement, mais oui, je sais possible. Qu'il a ses petites idées pour la rémunération des contributions. Ouais. Des contributions. Oh, bah. En fait, on va l'utiliser pour les investigations scientifiques aussi, pour les visualisations des modèles et interactions avec les simulations. Mais on n'a pas encore discuté avec M. Lanier. Oui, et, bon, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait envisager de faire de la recherche contributive avec des amateurs qui contribuerait justement. Oui, oui, oui. Ça, c'est une très bonne question. En fait, il y a des possibilités. On a déjà créé un projet. Ce n'est pas encore lancé, mais ça s'appelle Adopt a Neuron. Et puis, ça sera possible pour mettre sur votre ordinateur un screensaver pour modéliser des neurones. Et puis, on a éventuellement 86 milliards de neurones de modélisés, ça peut être utile d'avoir. Oui. En fait, ça utilise les technologies du grid. Et ça, c'est un partenariat avec le CERN aussi. Mais ce n'est pas encore fini. Oui. Vous parlez de collection de messages électriques. Je voudrais savoir si c'est le seul mode de message qui existe. Autrement dit, dans le cerveau, y aurait-il pas aussi des messages chimiques ou Absolument. D'autres? Absolument. C'est juste une façon de communication. Mais il y a certainement plusieurs niveaux des messageries chimiques. Donc, est-ce que dans ce programme Human Brain, vous collectez aussi ces Absolument. Différents types d'informations? Absolument. Ça, c'est nécessaire. D'accord. Ça, c'est juste un aspect. Le dernier point, comme dans un ordinateur, bien sûr, hein, je fais le parallèle, il y a des programmes qui font des actions, et puis il y a aussi le stockage. Est-ce que vous avez une idée où sont stockés les mots, l'image de sa mère, la photo de... Y a-t-il une piste sans comprendre vraiment? Parce que c'est un mystère quand même. Sachant que le cerveau pèse entre 1,5 kg et 1,7 kg. Et on peut stocker tout ça. Donc je parlais de la partie stockage. Tout à fait. Donc en général, on dit que la mémoire, c'est stocké dans les connexions entre les neurones. Mais pour vraiment expliquer ce que ça veut dire, il faut mieux comprendre exactement ce que c'est un synapse, parce que ça c'est la partie une collection des protéines incroyablement complexes qui gèrent les mémoires. Donc il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent là-dessus, et puis on met dans le modèle certains aspects des détails, mais il faut beaucoup plus de travail pour complètement comprendre cette question. C'est très important. Et on est loin d'expliquer.
Donc, si vous permettez, je voudrais juste dire qu'en fin de compte, c'est un programme qui va durer. 10 ans, c'est rien. C'est les débuts. C'est le début. C'était pour répondre à je ne sais pas qui avait peur qu'au bout de 10 ans, il y ait des brevets qui soient pris par les sociétés. Non, ça va durer plus que ça. On espère, parce qu'on veut vraiment que ça soit un nouveau moyen de faire la neuroscience. C'est en collaboration, intégration des données dans un modèle qui est généré collectivement. D'accord. Mais si je peux me permettre de simplifier de cette façon-là, c'est que la compréhension du cerveau, c'est la dernière chose qui nous reste vraiment de fondamental qu'on n'a pas compris de l'homme bionique. Pour moi, c'est la question la plus intéressante. Ah ben, en plus, mais c'est la dernière, vraiment. Est-ce qu'on peut assimiler ce cerveau virtuel à une big data cérébrale? Je n'ai pas bien compris exactement la question. Est-ce qu'on peut simuler... Est-ce qu'on peut l'assimiler, le comparer? Ah, d'accord. Avec... Comparer avec les big data. Big data, oui. Donc, big data, ça dépend ce que ça veut dire. Big data, c'est un mot, une phrase qui est utilisée tout le temps pour expliquer qu'il y a beaucoup de données. Mais pour nous, dans le projet, il faut être très précis pour savoir quelles sont les données qui sont capables d'être intégrées, qui sont compatibles. Et ça, c'est quelque chose de très, très difficile. Il faut être très précis pour le moyen de le mesurer, pour le capturer, les protocoles qui étaient utilisés pour définir les conditions. Donc, pour moi, bon, on peut essayer de trouver les données. Par exemple, on peut peut-être valider un modèle qui génère le comportement en utilisant le big data depuis les iPhones, par exemple. C'est peut-être un jour, ça sera possible. Mais pour l'instant, on essaie de créer le big data depuis la collection des données qui est distribuée dans les repositoires partout dans le monde. Savez-vous sous quelle forme vous souhaiteriez voir aboutir votre projet? Est-ce qu'au final, ce sera toute une batterie d'outils que vous aurez mis en place à disposition des scientifiques? Ou est-ce qu'on aura un humanbrain.exe, une seule chose, en fait? Je crois que, ce sera plusieurs choses. Ça sera une infrastructure pour faire la modélisation. Ça sera des modèles aussi, peut-être un humanbrain.01. Mais éventuellement, si tout le monde fait une collaboration là-dessus, ça peut être quelque chose même plus complexe, beaucoup plus compréhensif. Mais j'espère aussi qu'on crée une autre culture de travailler ensemble. Ça, c'est le parti, on ne peut pas planifier, mais on peut essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour le faire. Merci. Merci. Justement, sur votre politique de faire des articles et de les mettre à disposition de tout le monde, est-ce que ça ne va pas vous couper justement de la manière normale de faire, de mettre dans des revues spécialisées Je crois que on aura des niveaux différents de publication. On aura des données qui étaient juste publiées comme ça, mais c'était mis librement. Mais après, s'il y a une valeur d'avoir peer review et d'avoir les éditeurs qui viennent, regardent et puis mettre leur
timbre là-dessous pour dire que voilà, c'était revu. Je crois que ça va continuer d'être utile. Et puis, il y a déjà des journaux qui créent des publications, des données, particulièrement pour cette raison. Donc, il y a beaucoup qui changent maintenant dans le système de publication. Et puis, je crois qu'on aura toujours besoin d'un certain côté pour les publications professionnelles. Vous allez quand même publier dans des revues professionnelles. Ouais. Absolument. D'accord. Et il n'y aura pas de conflit des gens qui vont mettre plus dans les revues professionnelles, plus que dans votre outil de... En fait, on a vu dans la physique qu'il y a presque plus de publications dans les journaux commerciaux. Ils ont créé un site web et puis tout le monde, tous les physiciens mettent la publication directement dans ce site et puis c'est regardé par tout le monde des physiciens. On verra comment ça évolue. Bien, je crois qu'il y a plus de questions. Bien. Merci, professeur. Merci à vous. Merci beaucoup.